Cher étudiant, je suis professeur, je suis votre professeur Dia Saleh, le deuxième, dixième année. Je veux prendre le premier texte dans le livre français, une production orale. S'il vous plaît, soyez attentif avec moi. Le texte est très facile. Tout simplement, je veux prendre, regarde ici, un été en. Unité 1, la première unité, s'il vous plaît. Production orale, je vais commencer, s'il vous plaît. Préparez, faisait-il. Première chose, production orale, une chaîne syrienne volante apportait des problèmes relatifs à la gestion du temps, a lancé une application gratuite, foire, question. Ou des gens pouvant poster leurs problèmes et exprès une psychologie leur répondant. Première chose, l'introduction de tout ça devant nous, comme vous voyez, l'introduction qui parle, qui prend, et première chose, le titre, le texte, comme vous voyez. OK. Je vais commencer de nouveau, s'il vous plaît. Voici le problème de certains participants. Laissez-les, vous pouvez compléter. Comme vous voyez, il y a quatre personnes, chaque personne ou chacun de personnes qui parle son problème. Je vais commencer une mise en deux. Chaque personne, oui, suivez-moi avec, s'il vous plaît. La première personne, Julie, expose son problème. Comme vous voyez, je vous parle de lui. OK. Je suis femme d'affaires et la surcharge de travail me mène toujours à être en colère. Je suis débordée par routine quotidienne. J'ai beaucoup de travail et achevé. Comment arriver ou bien gérer mon temps. La première thèse, comme vous voyez, est une fille qui parle sans problème. Comme vous voyez, il a un problème de gérer le temps. Comme vous voyez, il est très fasciné, il est en conflit avec son temps. Il y a des problèmes avec le son temps. C'est là ou cela, problème, c'est le elle. OK. Deuxième texte. Julien. Je vais commencer de nouveau, s'il vous plaît. Julien, je suis collégien. Je suis accro aux jeux numériques. Et je vais en voir par semaine au club. Je n'arrive pas à trouver du temps pour mes loisirs et pour suivre mes études. Pouvez-vous m'aider à planifier mon temps? Comme vous voyez, c'est une personne qui parle sans problème. Il y a problème avec son temps et il n'y a pas trouvé, géré son temps. Comme vous voyez, il y a un problème avec son temps. Comme vous voyez. OK, le deuxième texte. Troisième texte. Troisième champion, comme vous voyez, il y a Lara. Lara, c'est une fille qui parle son problème. OK, je veux commencer, je veux lire. Lara, je suis secrétaire, je travaille à temps plein et je suis des études en ligne pour obtenir une promotion professionnelle. Je n'ai plus d'étrangers et j'ai du mal à pratiquer mes loisirs comme commande et sur montrer son problème. La même chose, en tout cas, le gérer. Le temps, c'est un problème. Et en général, tous les gens ont les problèmes.
comme vous voyez, c'est une fille, il a un problème avec son tombe, il n'y a pas de tombe pour pratiquer son loisir. Et elle pose son problème, je veux lire son problème, comme vous voyez. Ok, maintenant, je veux prendre la quatrième personne, son nom. Frédéric, comme vous voyez, je veux lire, suivez-moi, s'il vous plaît, soyez attentif. Je suis employé dans une grande entreprise. Je souffre d'un manque de tombe permanente, alors je surviens l'angoisse de ne pas avoir le tombe pour terminer mes tâches. Qu'est-ce que je peux faire pour organiser mon emploi de temps? La même chose, le problème de temps. Comme vous voyez, les quatre personnes parlant de problèmes de gérer de temps. Ok, comme vous voyez, je veux quatre textes. Commençons. Je prends le quatre textes. Deuxième chose, comme vous voulez, voici le problème de certains. Voici le problème de certains participants. Lisez-les, puis complétez. Moi, je complète le tableau, et c'est dessous. Et tableau, c'est dessous. Le tableau, problème relatif à la mal gestion de temps. Deuxième chose, qui, conséquence, le manque de temps, première personne, Frédéric, et deuxième personne, charge de travail, troisième personne, perte de temps, quatrième personne, accomplir tâche à le loisir. Bon, je veux traiter la deuxième question, c'est cela l'ordre de comme vous voyez, faites de correspondants les problèmes eux répondent des psychologiques. Il y a quatre paragraphes. Il y a le numéro, il y a les êtres. Comme vous voulez, je dois faire remplacer chaque paragraphe dans la place convenable. Je veux commencer, comme vous voyez. Le problème 1. Tous les matins, vous devrez pratiquer en heure de sport et avoir une alimentation équilibrée. Planifiez votre temps. Ah, deuxième paragraphe. Chaque jour avant de commencer, il est nécessaire de classer vos tâches par ordre de importance. Troisième paragraphe. C'est dans votre caisse quotidienne, il faut donner les priorités aux études et donner un peu de temps pour le loisir aussi. Quatrième paragraphe, D, il faut discuter ce problème avec votre directeur et accepter les tâches selon votre capacité et votre emploi de temps. Comment je peux ordre ce texte. Première chose, il faut être subtil dans la transition et de autre selon deux étapes chaque texte. Première chose, la première chose, A, la lettre B.
Vétérbé, chaque jour avant de commencer, il est essentiel de classer vos tâches pour ordre d'importance. Dans le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, c'est. Pourquoi c'est? Comme vous voyez, dans votre quotidien, il faut donner la priorité aux études et donner un peu de temps pour le loisir aussi. Deuxième paragraphe. Maintenant, je veux, c'est le troisième paragraphe. Troisième paragraphe, A. Pourquoi A? Excusez-moi, s'il vous plaît. Tout le matin, vous devrez pratiquer une heure de sport et avoir une alimentation équilibrée, planifier votre temps. Troisième paragraphe. Le final, le quatrième paragraphe, quand vous voulez. Le quatre, seul. Il n'y a pas un seul. Deux, il faut discuter ce problème avec votre directeur et accepter les tâches selon votre capacité et votre emploi de temps. Je vous remercie, mes chers étudiants. Au revoir, au la deuxième paragraphe. Je suis... Ouais.